Yo! Il est quelle heure? 1h52. Et là, on a déjà petit déjeuner ce matin. C'est l'heure de s'habiller. On va mettre le petit parker, le petit casque. Et let's go sur piste aujourd'hui. C'est l'heure de tout envoyer. Donc c'est parti, let's go. Oh! Bienvenue sur la liste TV. Est-ce qu'on se ferait pas quelques petits laps à un moment avec cette chemise zèbre là? C'est bien dans le thème. Ah ouais. Allez, on est tout prêt, habillé, prêt, le bike est prêt. J'ai tous les équipements sur moi. Maillot tout beau, tout floqué, nickel avec les sponsors. Et là, les uplifts partent dans 5 minutes, donc let's go. Deck. Il y a du casque Red Bull au mètre carré. Yeah, a bit, but it's okay. Et regarde tous les casques Red Bull, frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là-bas, 9, Grace. Oui, à le droit, c'est vu de mort. Ça serait trop bien. Bon allez, a priori ça part pour un petit lap sur le bike park, histoire de se remettre en jambes avant de se jeter à la mort. Attends Thibaut Dali, je vais suivre. Tu vas suivre qui? Moi? Ouais. T'as pas peur ma mène? Je suis rouillé. Ouais. Ah, my hand! Fuck, I need to shit so bad with all those rocks in the face. Jiggles you. Yeah. Vas-y, on va suivre les deux fous un peu là. Les deux fous qui roulent la même bicyclette que moi. Ou plutôt moi qui roule la même bicyclette qu'eux parce qu'ils sont factory team. Putain, ça met déjà du gaz. C'est abusé. This is how we should go the other way. J'ai la briolette devant. Y'a du free rider là. Tommy G, briole. Ouais. Oh. Ouah, ça c'est sick. Oh. Oh. Ouais. C'est la jungle. C'est la jungle. On est en pleine jungle. Bon c'est bien, je vais suivre Chaos au moins, je suis safe. On voit déjà sur des gros sauts. J'étais pas prêt à ça. Yo! It's finished. C'était bon, man. C'est la fin du jour. Pas du choix. Yo. Café Lolo. Juste rider le bike park, en vrai c'était dur. J'étais déjà les mains en feu. Hein le free rider? Ouais c'était pas mal, mais je pense que ça va être plus dur que... Enfin, le bike park a été plus dur que la hard line. Mais c'est sûr. Niveau technique et niveau physique quoi. Qu'est-ce qui se passe avec ton pneu là? Non bah... mais dis-moi qu'il a déjà une demi-saison à Morzine là. Non, il a un run au bike park ici. Ta gueule. Mais je mets tellement vite et fort
Non, non, non. En fait, ça m'éclate mon pneu, quoi. J'ai entendu Vinny, il a dit, ça fait que faire des dérapages. Ah, j'avoue. Tristement, tu sais ça. C'est pas du Michelin, c'est pas du Michelin, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est pas du Michelin. Ah, mais moi, j'aurais de crampons, plus j'irai vite. C'est parti, la brille. Et chaud, quoi. On est chaud, là. On est chaud. Il a mis la musique dans le bus. Petite appréhension, quand même, là. Avec les médias et tout. Non mais ça va, chill, mais petite appréhension quand même. On est vraiment sur piste donc ça va attaquer. Bernie qui va passer devant pour nous montrer un peu l'habitude lui. Yeah Rem. Ouais. Ah mon bijou. Ça va. Wouah! Hey Brooke! Go Bulldog! First man! Woo! Yes, Tipo! Yep! Woo! Oh! C'est quoi là? Ouais, wow, il est sévère lui quand même. Mais on va toucher la truc de ville. Non, je pense pas gros. Yo, I touched the Red Bull sign. J'ai encore tout mis au fond. Yeah, already. J'ai droppé et j'ai touché le Red Bull sign avec la roue arrière. Du coup, ils sont en train de l'enlever. Ok, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a déjà tous fait une fois celui de derrière. Il y a les filles qui ont suivi, donc là, elles sont sur le lip. Et elles vont regarder notre deuxième passage pour qu'elles aussi, après, elles puissent l'envoyer. Bon, allez, on a envoyé trois pauvres sauts. On va déjà devoir gonfler comme des bâtards la fourche. Putain, j'ai mis béton la fourche là. Bon allez, ça dit quoi le prochain drop? La petite bite là qui te fait sauter dans le V quoi. Là où il a le bout de sa chaussure crank là. Bon attendez, je vous follow. You. Wow, c'est tout neuf. Wow, premier rock garden. Wow. Bon là après ce pierrier du coup ça enchaîne, tac, petit saut tranquille. Là aussi encore tranquille a priori, sorti de la pierre. Pas trop se jeter parce que sinon tu vas finir dans le virage. Et puis au pire le case il est pas trop grave. Donc hop, tranquille, virage. Yeah Vinny. Il a tout niqué. On peut voir la marque de Tibet dans le virage. Une espèce de trace. Ah mais mec, c'est Vinny. Ah ouais. Ah mec, il a fait un shroud de la NASA. Vas-y, ouais, j'y vais. Allez, la loupe. What? Ça, je trouve, c'est le feature le plus dégueulasse de la piste. Là, tu vas arriver vite. Ensuite, juste. Final. Voilà. Oh, chaos.
Vraiment mignonne comme ça. J'ai croisé ta mère. Ah ouais, là, t'es mignonne, quoi. Ryder! Ouah, non. Je l'ai pas senti, gros. Excuse-moi. I didn't feel it. Je me suis perdu devant. Le truc il arrive plus vite que tu ne le crois. Et vu que je voulais pas me foirer devant toi, j'ai préféré m'escape. Mec, là t'imagines, tu te mets un cours. Bah en fait c'est ça, genre, et puis t'as l'autre qui suit. Bah mec, t'es... C'est la cata, quoi. Allez. That's good. Yeah. You literally just run down there. Get hell straight on turn, mate. You can go down the right. Right, eh? But I'd rather see with the speed. Maybe just cruising down till here and let it roll and a little hop. Yeah. Perfect, lad. You haven't done this yet, have you? Woo! Il arrive vite. Ah, en fait, quoi. Sur la rampe, laissez rouler petit poule et on y est. Yo! How was that? You were that 37, that's what you want. Exactly. Yeah? Yeah, your speed was everybody's. The speed was good? Your speed was good. 37 kilometers? Miles. Miles per hour. Oh, eh? It's only 20 in the air. They're losing 17 miles per hour. On that ramp. C'est genre, hey, chaos! C'est genre, tu sautes droit dans l'axe hein? Droit dans l'axe. Ouais, mais atterris plus à droite que là, hein. Ouais, je suis content de l'avoir clear celui-là. Il me... Je le sentais bien, mais j'avais un petit coup de stress quand même avant d'y aller. Et... Je voulais vraiment faire que celui-là, pas le saut d'après, parce que j'étais pas prêt mentalement à l'envoyer. Donc... Alors ça, c'est cool. Là, on va se faire l'enchaînement. Au final, on pensait que ça serait chill, mais on va quand même arriver avec un peu de vitesse sur le drop. Yeah, dude! You! Wow, Briol, t'as fait le port, hein? Yo! You! Oh, that was short! Yo, Vinny! Oh! Ah, ça, c'était court, par contre. Waouh, y'a vraiment plein de gens qui se mettent des cours. C'est exactement ce que je voulais pas faire. C'est pour ça que la première fois j'ai pas fait. Allez, let's go, on descend, on cruise, on chill. Pour le moment, y'a plein de trucs qu'on a pas fait et qu'on connaît pas ici. Du coup, ça aide vraiment. Ouah! Ah, la preuve, il fait de la merde là direct. Waouh, j'étais pas prêt à se pirier. Il va être trop facile, je me suis mis long. Oh! Sorry! You
c'est magnifique, c'est abusé. Voilà, c'était débile. On a tout envoyé sans savoir vraiment ce qu'il y avait. Sorry, brother. Ah, c'est toi, Vinny. Ah! Oh! Wow. I did some sketchy things down there. Dude. Wow. Okay, sorry guys, I broke too much. I saw Edgar didn't break. Wow. What the fuck? Woo! Elle est malade cette partie. Oh. C'est incroyable, that's incredible. Fully forgot where to go. Dude, that was so scary and at the same time so fucking good. C'était chaud au moment. Genre en fait la brille il a freiné. Allez, retour à la tente. On va chiller, cruiser, have lunch. Genre c'était vraiment comme un loamer de haut en bas quoi. Hey, let's have lunch. La louche, la louche. Il y a les physios ici. Ici il y a de quoi s'étirer. Prendre un peu soin de soi, soin de ses muscles, son corps. Petit endroit chill. Des tables pour manger, des tables dehors. Et là, le repas. Bon, allez. On vient de finir de manger, on est de nouveau sur piste et là on va attaquer des vrais gros soins. On a pris ces... Tu sais... Bon allez, on y est et je crois que c'est Briol qui se chauffe et qui a envie de l'ouvrir. Ok, donc a priori il faut quand même pédaler sur le container. Ok, je suis même pas allé sur le bout. Là. Du lip, mais c'est pas grave. Let's fucking go. Fuck yeah. Yeah boy. Oh, on se fait un petit canam tour là. Ça c'est bon. Alors Lali, tu viens de faire le road cap. Ouais, pas de stress hein. Ouais, c'était bien. Quand on suit les bonnes personnes, c'est tout bon. Ah bah voilà. C'était moi. Bon petit saut de passé là quand même. Ouh. Ok, allez, on va se refaire ça une deuxième fois. Good, Davina? Good to go? Let's go. Look who I found, my kangaroo! How are you? Oh. How is it? Good. So fucking good. So fucking good. Allez voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La piste est littéralement derrière et la direction de camping qui est juste au bout là-bas. Et franchement, what a day les gars, on s'est jeté sur des grands sauts de porc quand même. Et ça faisait bien plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette adrénaline parce que cet hiver j'ai pas trop fait de bike, plus fait du ski. Et bah franchement, en 3 jours de vélo, parce que c'est tout ce que j'ai ridé avant de venir, je suis pas perdu, vous voyez. Et ça fait trop du bien, franchement. L'adrénaline de ce genre de saut, c'est incomparable. Le feeling est absolument, absolutely insane. Je vais vous foutre tous les clips dans la GoPro et puis voilà, hein. Ça y est, hein, Red Bull Hardline, tout est done, tout est upload.
tout est fait, tout est fini. Ah, ça y est, il y a eu des updates au campsite, so, ça c'est cool. Ils nous ont installé une petite tente du milieu et tout, nickel. Setup, waouh. Ah oui. La petite tente, la petite cool box Yeti, tout. Parfait. Eh ben voilà mon poulet. Très bien. That's for you. Ah. Bravo mon bébé. Bravo mon poulet, t'as bien fait aujourd'hui. Allez, on upload, let's go. Juste les Français, si vous vous demandez comment Bernard Kerr il upload ses vlogs aussi vite, ben. No edit, baby. Voilà. On a même pas fini, on est toujours même pas arrivé au camping. Il est déjà en train d'éditer et de uploader. C'est ça la rapidité.